Le 57e cross de Volvic, c'est aujourd'hui sur le site des Eaux. 1500 personnes attendues pour la plus vieille compétition du genre en France. Sur place, on retrouve Sébastien Kérou. Sébastien, on dirait qu'il y a un petit peu de monde derrière vous. Hein. Oui, effectivement, Julien, dans moins d'une minute, le départ de la 57e édition du Cross de Volvic sera donné. Et regardez comme il fait beau. Bon, il fait un petit peu frais aussi, mais tout de même, les conditions sont vraiment idéales. Jusqu'à 16h, ce seront 10 courses qui seront organisées ici sur le site de la source à Volvic. Et à 15h30, ce sera la course Elite Homme, où le Kenyan Paul Melly remettra son titre en jeu. Et ce sera difficile de le détrôner, car c'est tout de même lui qui a remporté les trois dernières éditions. Voilà, le départ de la 57e édition du Cross de Volvic est donné. Ici, sur le site de la source, les seniors et les vétérans ouvrent le bal. On attend aujourd'hui jusqu'à 2200 participants, et ce serait un record. On vous donne rendez-vous ce soir pour le bilan de cette journée qui s'annonce très très agréable. Merci Sébastien, on vous retrouve ce soir donc.